accélération en coordonnées polaires, mécanique du point, formule. C'est donc le résultat général de l'accélération en coordonnées polaires pour un mouvement plan. On considère ici un mouvement circulaire, mais pas nécessairement uniforme. Petit r égale grand R, donc r point est égal à 0 et r de point est égal à 0. Le vecteur OM, le vecteur grand V et le vecteur 1 s'écrivent donc simplement comme il est écrit ici. En bleu, le vecteur accélération se décompose suivant l'accélération radiale, AU, et l'accélération orthoradiale, AN. Dans le cas que nous avons choisi, AN est opposé au vecteur vitesse et au vecteur N, ce qui signifie que θ de point est une quantité négative et que la vitesse angulaire θ point est en train de diminuer. On remarque bien entendu, comme à l'habitude, que le vecteur accélération pointe toujours à l'intérieur de la trajectoire.